Bien, ravi de vous retrouver pour cette petit atelier cuisine. On travaille aujourd'hui dans le placard de Marceline. On va se concocter une petite recette super sympa, une super dinette autour de la tartine campagnarde. Tartine campagnarde, donc du coup, bon pain au levain, l'ingrédient de base. On va utiliser notre bon jambon aveyronnais qu'on a l'habitude d'avoir tous les jours dans notre petit placard. En produits laitiers, une belle crème fraîche de montagne ou crème fraîche paysanne, bien riche en crème fraîche parce que bon, on est là pour se faire plaisir, on ne va pas utiliser du light. Un bon lait de ferme, ail, échalote, beurre, produits de saison autour du légume. Donc on va utiliser le chou-fleur de deux façons différentes aujourd'hui. Pour le plaisir et pour le craquant, le cresson qui vient juste de sortir, le cresson français. Et la doucette, des salades qui ont un peu de mâche, un peu de race, on va se faire vraiment plaisir avec ça. Et un incontournable de tous les plateaux de fromage, le joli Cantal, les œufs de poule. Et après, pour vraiment apporter des petits twists, eh bien, on va jouer avec des épices. Ici, le curcuma qui va venir se marier un peu avec le chou et un paprika fumé, super sympa et qui va apporter vraiment une petite note très particulière à notre recette. On attaque de suite par notre crème d'ail. On prend la casserole à fond épais pour faire du mijotage, très important. Ail, échalote. Et ici, très simple, un geste un peu barbare, mais très rapide et qui permet d'éclater et de donner tous les arômes aux ingrédients qu'on va faire. Vous prenez votre couteau, on le met à plat et on vient simplement frapper comme ça d'un coup fort et on débarrasse dans notre casserole. On fait de même pour l'ail et pour l'échalote. Là, on a un ingrédient de base. On va simplement utiliser une première tranche de jambon qu'on va venir émincer. Et on met tout directement dans notre casserole, on ne se complique pas. Donc ensuite, on va venir chercher notre crème fraîche. Donc là, on y va, une grosse cuillère bien généreuse et une deuxième, ça suffira pour notre crème. Et on gérera la consistance de notre crème en la corrigeant avec un peu de lait par la suite. Donc là, on lance simplement une petite cuisson, feu doux. Et tout le reste va se faire le temps de notre cuisson. Élément maintenant principal de notre tartine, ça va être le chou-fleur. Donc à savoir le chou-fleur, on peut le cuire de mille et une façons. Aujourd'hui, on va faire deux. Et là, simplement, on va venir le couper en deux. Et on va s'occuper dans un premier temps de nos sommités. Donc ici, je viens débarrasser mon chou-fleur de l'élément principal de sa queue. Et on va garder simplement les petites fleurs que nous allons travailler avec un petit mélange d'ingrédients ensemble. Ici, on attaque notre préparation. Donc, notre chou-fleur est ici. Je prends à nouveau deux gousses d'ail, un appareil de grand-mère que tout le monde connaît, ou si vous ne connaissez pas, ça s'appelle un presse-ail pour récupérer uniquement la pulpe de l'ail. Pour tout vous dire, celui-ci, il était vraiment à ma grand-mère. Et voilà mes deux gousses d'ail pour un demi-chou-fleur. Là, je vais venir arroser d'un peu de curcuma. Là, c'est vraiment à votre convenance et à votre goût. Et ici, donc, nous avons du paprika fumé. Paprika fumé, exactement la même chose qu'un paprika classique, simplement fait à base de poivrons fumés et séchés, qui va bien surtout s'accorder avec le côté fumé de notre jambon de pays. Grosso modo, le paprika, on va mettre deux fois moins que ce qu'on aura mis de curcuma. Maintenant, je sale, je poivre et j'enrobe d'un peu d'huile. Fleur de sel. Et à ce stade-là, simplement, on mélange. On va donc bien enrober en fait notre chou-fleur du peu d'huile et des épices qu'on a mis de façon à ne pas avoir à en rajouter à la cuisson et on va simplement aller chercher à le faire rôtir. Hop là, j'ai le chou-fleur voyageur pour vous prouver qu'il est bon, même cru comme ça, on se régale. Hop, mes sommités de chou-fleur, je les répartis uniformément sur mon plat et je vais enfourner ça 25 minutes, 180 degrés. Je reprends un autre plat et donc je viens tout simplement venir râper mon chou-fleur de façon à faire vraiment une petite semoule de chou-fleur très fine. Et donc on va simplement la faire sécher un peu. L'idée c'est vraiment de venir le faire sécher au maximum. Donc on va l'oublier 30 secondes, notre petit chou-fleur, le temps qu'il sèche bien et de continuer notre recette. On va tomber sur l'élément de base qui est le pain. Donc là, on fait une tartine un peu épaisse, un bon centimètre d'épaisseur. Alors vous avez vu, j'utilise pas un couteau scie parce que le pain dur, comme ça, ça évite de partir dans tous les sens et ça évite de se blesser. Donc quand on
coupe du pain dur. Un bon couteau de chef, c'est toujours plus pratique et plus sécurisant qu'un couteau scie. On a nos quatre belles tartines. Ces quatre tartines, on va les mettre de côté. On enchaîne avec notre recette. Là, on va s'occuper des œufs. L'œuf, on va le travailler mollet. Cuisson des œufs mollets, c'est pas compliqué. De l'eau, du vinaigre blanc. Et je lance mon eau vinaigrée à ébullition. Ah, notre eau à ébullition, donc on va lancer la cuisson de nos œufs mollets. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les accompagner gentiment. Donc soit avec une fourchette, soit avec une grosse cuillère, vous venez là, les déposer gentiment sur le bord de votre casserole. Comme ceci, dès qu'on a nos 4 œufs, on met notre minuterie, très important, 5 minutes, pas plus. Par contre, on prépare un bol d'eau froide, si possible avec des glaçons, de façon à stopper la cuisson de nos œufs immédiatement, dès que les 5 minutes seront atteintes. Donc, on a lancé la cuisson de nos œufs, c'est parti, on va mettre dans notre poêle, sur un côté, nos tartines à griller, de façon à dessécher un peu la tartine. Le fait de dessécher, ça va permettre ensuite de plus boire le jus. Donc là, nos tartines, on les met à sec, directement à la poêle, comme ça, sur une face. Et on va les faire griller comme ça, tout simplement. Les deux poules, je prends mes œufs, je prends ma crème et je prends mon lait. Donc là, 2 œufs. Les 4 autres vont servir donc, à nos œufs mollets, un par tartine. Hop, je casse mes 2 œufs. Directement, sans en prendre soin, on va tout mélanger, on va les battre en omelette. Et pourquoi j'ai pris un plat carré à votre avis? Pour que nos tartines y rentrent facilement dedans, et donc autant faire le mélange directement dans le plat. Je viens mettre, comme on dit à la maison, à Biste des Nas, en Aveyron, un peu de lait. Et là, il n'y a pas de recette véritable, c'est moi qui vais gérer la texture de mon lait de poule comme j'ai envie qu'il soit. Si vous faites de la brioche, n'hésitez pas, par exemple, à faire un lait de poule un peu plus épais, parce que la brioche va de suite cuire et ça donnera un peu plus de tenue à votre pain une fois grillé. Donc ici j'ai mis le lait, j'ai mis les œufs, je continue avec un peu de crème fraîche. Voilà, une bonne cuillère toujours. Et je viens saler et poivrer mon lait de poule. Voilà le pain, alors bien grillé comme ça sur une face, et comme ça on va pas foncièrement continuer la cuisson. Prenez votre gousse d'ail comme ça, et à la manière d'un pain compte tomate, on va venir aromatiser notre tartine ici. Donc on frotte nos 4 pains comme ça sur le côté grillé, et ensuite on va venir prendre le côté non grillé directement dans notre lait de poule. L'idée c'est qu'il s'imbibe vraiment sur une face. Et on attaquera notre cuisson par la suite. On va revenir sur notre petite semoule de chou-fleur. Donc ici, notre chou-fleur, toujours pas de matière grasse, directement à sec, notre petite semoule. Là, on va faire attention de ne pas faire d'épaisseur. Et vraiment, on va venir simplement griller juste aux premières couleurs. On arrêtera la cuisson et on aura un petit côté chou-fleur grillé rôti. On va venir prendre nos amandes préalablement torréfiées. Voilà, 5-6 amandes comme ça préalablement torréfiées et qu'on va venir émincer. Donc j'ai mes amandes, j'ai mon chou qui est en train de rôtir. Donc on arrête la cuisson dès les premières colorations et de suite on la débarrasse pour pas qu'elle en prenne un peu plus. Maintenant que j'ai ça, je vais venir y mélanger mes quelques amandes et ça va venir faire ma petite finition. On le touche plus jusqu'à la fin, on le laisse refroidir gentiment comme ceci. Voilà. Étape suivante. Notre fromage. Vous prenez votre fromage, la râpe, et on vient râper notre fromage. J'avais triché un peu, j'en avais fait d'autres d'avance. Et on prend notre lait et on va venir vraiment recouvrir tout notre fromage. Et on n'hésite pas à appuyer de façon à ce que vraiment le fromage s'imbibe de tout le liquide du lait. Donc la cuisson de base de notre tartine, on va récupérer nos tartines en lait de poule qui ont quasiment bu tout notre lait de poule. On n'a pas d'excédent. Et là, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre poêle, par contre, de cuisson, à préchauffer à feu moyen, avec un peu de matière grasse. Et on va pouvoir les poêler ensuite, mais uniquement à poêle très chaude. Donc, on attaque la cuisson de nos pains perdus. Un peu d'huile, un peu de beurre. Donc, on fait attention, c'est bien le côté imbibé qu'on va venir faire griller. Donc, feu moyen pour 5 bonnes minutes. Donc, on vérifie la cuisson de notre pain perdu. On a une belle coloration, c'est impeccable. Donc vraiment, on reste sur une cuisson à l'unilatéral. Et là, je vais passer au montage de mes tartines.
Donc, on vient avec une fourchette comme ça, égoutter le surplus de lait et vraiment tartiner généreusement, faire vraiment une base. C'est ce qui va nous remplacer un peu la béchamel sur un croque-monsieur classique finalement. Nos petits choux-fleurs, nos sommités de choux-fleurs qu'on a préalablement cuits au curcuma. Donc voilà, on vient agrémenter avec quelques sommités de choux-fleurs comme ceci, nos tartines. Notre four, on l'a préalablement réglé sur 250 degrés grill, de façon à vraiment venir chercher, faire qu'une cuisson de surface, comme ceci. Donc on enfourne nos tartines pour 5 bonnes minutes maintenant. Nos tartines sont en train de griller dans le four, c'est l'étape ultime, on prépare tous les petits ingrédients pour finir de monter notre tartine campagnarde. Je me munis d'une petite passette, je récupère ma crème. On avait tout coupé grossièrement, là on veut venir arroser à la façon d'une vinaigrette, donc je viens filtrer tous mes ingrédients. Et là je viens vraiment chercher vraiment un jus simplement fluide, simplement réduit dans sa matière grasse. Deuxième élément de finition, notre chou-fleur. Troisième élément, notre mélange de salade, doucette et cresson. On va venir chercher l'élément principal, notre jambon de pays de l'Aveyron, qu'on va venir simplement déchirer comme il veut se faire. J'aime pas trop le couper au couteau, on va faire une espèce de copeau comme ça, qui va venir se déchirer vraiment comme la texture de la viande le fait. Et encore une fois, le jambon, moi je préfère pas le cuire et prendre l'option de le poser froid sur l'ingrédient chaud. C'est là où tous les arômes du jambon vont se développer. Donc on est quasiment prêt, il nous reste un seul élément, c'est l'œuf. Donc là, juste petite astuce et petite technique, l'œuf mollet. Donc comme je vous ai dit, important, on le refroidit dès la fin de cuisson. Et donc je vais le laisser tremper dans la dernière eau froide qui est ici. Allez, on arrive à l'étape ultime de notre recette du jour, donc la tartine campagnarde. Juste avant d'assembler notre tartine qui est en train de finir de griller dans notre four, je remets tous mes petits ingrédients autour de moi qui vont venir s'intercaler sur notre tartine en finition. Donc la doucette, le cresson, l'œuf mollet que nous avons préalablement écalé, le jambon de pays déchiré à la main, vraiment en petits copeaux, la semoule de chou-fleur mélangée avec notre amande grillée torréfiée et notre petit jus de crème à l'ail. Donc je sors de suite notre première tartine. Et donc on vient ici maintenant intercaler tous nos ingrédients. Donc je commence avec un peu de verdure, un peu de cresson, quelques pluches de salade, mâche. Je vais venir mettre quelques petits copeaux de jambon de pays par-dessus comme ça. Un petit trait de crème à l'ail. Ici, notre semoule de chou-fleur aux amandes. Voilà. Et il ne nous reste plus que notre œuf mollet à venir déposer au centre de notre tartine. En saucière à côté, on dépose un peu de crème d'ail, fleur de sel, poivre du moulin et le petit geste gourmand de la fin, notre œuf mollet. Voilà. Donc j'espère vous retrouver vite pour une petite recette de Marceline. Dans le placard de Marceline, où on va venir chercher comme ça régulièrement des petites recettes sorties du placard, surtout des choses sans complexe, où juste le maître mot, c'est se faire plaisir. Au revoir.